المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسا يبسا وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسا يبسا وحزينة راني هايمة ما نعرف Des mots de minuit, bonsoir. On va parler théâtre ce soir avec Sophie Pérez. Vous êtes plasticienne, mais vous signez un théâtre décapant, cru, qui dérange parfois, mais qui est toujours flashant, en tout cas quand on le regarde. Vous signez actuellement deux pièces. On parlera du coup du Cric andalou et également d'une pièce qui est à venir, qui est Laisse les gondoles à Venise. Musique également dans cette émission avec vous, Louis Yac. Vous êtes un militant systématique ou pérenne auprès des exclus pour une forme d'égalité. Et vous êtes surtout un chanteur, un auteur, un cantautor. Chanteur, auteur, compositeur et interprète. Donc, voilà pour la première partie de cette émission, Manière de voir. Deuxième partie de l'émission avec Léa Gauthier, qui est rédactrice en chef du magazine Mouvement. Nous évoquerons le numéro anniversaire, 10 ans de ce magazine qui s'intéresse à toutes les formes d'art. Et avec Mine Van Truy, qui travaille au magazine littéraire, nous évoquerons Stendhal. C'est la une du magazine littéraire du mois d'avril. Et nous aurons l'occasion de parler également de deux très beaux auteurs. L'un est américain, c'est Tobias Wolff, Portrait de classe. L'autre est canadienne, elle s'appelle Margaret Atwood. Et elle signe Le dernier homme, c'est chez Robert Laffont. Ceci, c'est pour la deuxième partie. Musique avec Yac, bien sûr. Et également ce soir, Davide Balula. Manière de voir, l'un écoute l'autre. Et ensuite... vous échangez. On va commencer avec vous, Sophie Pérez. Je disais que vous étiez plasticienne, en tout cas, c'est la manière dont vous vous présentez habituellement. Et ce que vous faites, c'est du théâtre. Absolument. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai une formation de plasticienne et que enfin, je pense que l'endroit précis du théâtre est le lieu idéal pour que les arts convergent. Est-ce que ça veut dire que le théâtre est forcément protéiforme et qu'il faut sortir d'une conception classique du théâtre ? Je pense que surtout en France, on a une tradition théâtrale sur nos épaules très très lourde. Enfin, il me semble pourtant évident que, et ça a commencé pourtant il y a assez longtemps, que le théâtre doit effectivement traverser et le texte, et les images, et la peinture, et l'humain, et la création musicale. Enfin, pour moi, ça me semble être un objet. Enfin, il s'agit à la fin d'un objet théâtral et c'est du théâtre. C'est-à-dire que je m'en méfie. Je l'aime et je le déteste, mais je pense qu'aujourd'hui, l'idée aussi qu'on me considère un peu comme un ovni, je trouve pas ça très juste dans la mesure où je traficote des choses assez traditionnelles qui sont un rapport à la théâtralité plein de respect et plein de méfiance aussi qui engage... On va voir dans une seconde comment vous réussissez à être cohérente avec ce que vous dites. Mais avant, j'aimerais vous poser une question sur l'origine de ce qui vous fait faire comme vous faites. Autrement dit, dans l'enfance ou dans l'adolescence, qu'est-ce qui vous amène à ce théâtre extrêmement riche, extrêmement nourri d'influences diverses ? C'est vrai qu'il y a une tradition. Enfin, moi, je suis d'origine espagnole et italienne, donc je pense qu'il y a une... Je dis souvent que voilà, il y a une tradition familiale qui fait qu'on est 15 à table, que ça s'engueule, ça se réconcilie 5 minutes après. Enfin, il y a de la tragédie et du drame et beaucoup de débordements d'affection en très peu de temps. Donc c'est vrai que j'ai baigné là-dedans. Plus, des cours de dessin, des cours de claquettes, de la peinture, du jeu. Enfin, j'ai tourné autour du pot pas mal, autour du pot du théâtre. C'est pas très élégant, mais j'ai tourné autour en me demandant inlassablement où ça allait arriver. Et voilà, et c'est arrivé à cette chose... sorte de peau pourrie comme ça. On va regarder immédiatement le spectacle qui était donné au centre Pompidou. Hein, vous avez assuré la conception, la mise en scène, la scénographie, les costumes, la musique.
avec Xavier Boussiron. Hein, qui est le deuxième d'un attelage qui comprend un troisième qui est Laurent Friquet, oui. Hein, dans cette usine ou en tout cas dans cet atelier qui s'appelle Zerep, oui, hein, Pérez à l'envers. À l'envers. Voilà. En tout cas, pour le coup du cric andalou, peut-être un mot d'explication sur le titre avant qu'on envoie un premier extrait. Alors, le coup du cric, c'est une blague que me racontait mon père. C'est un type qui est sur l'autoroute et sa voiture, son pneu crève, mais il n'a pas de cric. Et donc, le seul qui a un cric dans le village, c'est Marcel, qui ne prête jamais son matériel. Donc, les 2 heures qui lui restent pour rejoindre le village et demander à Marcel son cric, ça va être 2 heures pénibles où donc il va se dire « Marcel ne me prêtera jamais son cric ». Et finalement, au bout de 2 heures, exténué, fatigué, il arrive en bas de chez Marcel. Il lui dit « Marcel, ton cric, tu peux te le carrer au cul ». Donc, le coup du cric, ça parle de l'anticipation. Vous avez bien dit de te le carrer au cul. Voilà, c'est ça. C'est la blague que j'ai entendue depuis pas mal de temps. Et andalou, les origines, le chien andalou. Et donc, ça parle de l'anticipation. Dans la réponse que vous venez de me donner, il y a tout de suite... deux choses évidentes qui sont la crudité du propos, donc aussi une crudité dans la mise en scène, et il y a le systématisme de la référence. Hein, ouais, andalou, bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de références. Je pense qu'il y a de l'humain, ce qui me semble être la chose fondamentale pour faire du théâtre. C'est-à-dire que c'est des acteurs pour qui j'écris, donc des gens comme Stéphane Roger, Sophie Lenoir-Rollin, qui sont des. J'estime que c'est vraiment des gens qui ont une poésie personnelle, qui sont des gens qui pourraient faire de la performance. C'est vraiment des artistes. C'est au-delà d'être interprète. C'est des gens pour qui j'écris. Et c'est vrai qu'il y a de l'humain. Et puis après, il y a aussi tout ce que moi, j'ai traversé, qui est l'histoire de l'art, la peinture, le théâtre. Moi, j'ai été beaucoup à l'opérette avec mes grands-mères. J'ai une culture comme ça. Luis Mariano. Ouais, ça va de Luis Mariano avec les premières découvertes qui étaient Machero, Pina Bausch. Donc, il y a une espèce de culture comme ça. Toujours le mélange comme ça. Ouais. Le coup du cric andalou, première scène qui donne le ton. Extrait. Sophie Pérez, j'ai une... Il faut savoir qu'elle est répétée 9 fois la scène. Hein, ouais. Parce que c'est l'idée du travail sériel et du théâtre de boulevard. C'est vrai, quand on la voit qu'une fois, c'est assez particulier. Elle est répétée 9 fois et elle va jusqu'aux chutes et jusqu'à... Et jusqu'au bordel sur scène, ouais, hein, ouais. Quasiment. Alors, une première, par rapport à ce que dit votre théâtre, ou plus exactement votre travail, les gens rient. Or, quand on regarde cet extrait... on est forcément aussi toujours immédiatement dans le deuxième degré. Comment est-ce que vous intégrez le rire? Est-ce qu'il est là parce que vous essayez de faire un théâtre populaire? Ou est-ce qu'il est là et qu'il peut parfois occulter le fond du projet, de l'intention? Non, ouais, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un sale rire, je pense. C'est un rire exutoire, c'est le rire du fond de la casserole. C'est le rire parce que c'est insupportable. C'est plutôt de cet ordre-là. C'est-à-dire que nous... quand on le joue, c'est vrai qu'on est toujours dans la limite. On a eu des salles qui étaient très silencieuses et qui riaient pas du tout. Et c'est vrai que c'est cette ambiguïté-là que je trimballe en permanence. C'est-à-dire que quand il y a trop de rire, c'est pas juste non plus, mais c'est vrai que c'est un sale rire. C'est pas un rire joyeux, c'est un rire de soulagement, de ce que cette scène, quand on la voit 9 fois de suite, pour moi, c'était l'idée de pourquoi faire du sériel avec quelque chose de minimal? Pourquoi on ferait pas du sériel avec du théâtre de boulevard? Et juste, où est-ce qu'on arrive, quoi? Donc c'est jouer en permanence du paradoxe et de la contradiction. Ouais, ouais. Et puis c'est sur l'histoire des limites et de ce qui est donné à voir
et de vraiment, ouais, c'est l'histoire de la limite, c'est-à-dire de le côté noble de quelque chose de sériel, où est-ce qu'il arrive quand c'est avec une scène comme ça de boulevard. Si je vous dis non-dit, si je vous dis Werther, si je vous dis musical, si je vous dis danse, si je vous dis performance, vous assumez tout, ouais, et vous regroupez tout dans la notion de théâtre. Je pense que c'est de l'ordre de l'écriture. Donc dans cette écriture, il y a le rapport au corps, à l'intime, à la création forcément. Donc les musiques sont créées. Tout est à ces endroits-là précisément. À la référence aussi, moi j'ai fait du décor d'opéra, donc c'est vrai que je crois encore en l'outil du théâtre, c'est-à-dire que je m'en méfie, c'est vraiment amour-haine, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrive dans un théâtre, je crois au miracle, il n'arrive pas souvent, mais c'est un objet beaucoup aimé en tout cas. En termes de travail, comment est-ce que ça fonctionne sur détail sur la marche arrière, qui est une autre de votre pièce, mm-hmm. Je le disais qu'il y avait 2 ans de travail en amont. Oui, c'est-à-dire que moi, je travaille comme un peintre dans son atelier. C'est-à-dire que je peux travailler 2 ans sur un projet. J'ai les comédiens, danseurs avec qui je travaille, Xavier Boussiron, Laurent Friquet, enfin donc Stéphane Roger, Sophie Lenoir. Et par exemple, sur détail sur la marche arrière, il y avait l'origine du monde de Courbet qui était sur un pouf géant de 2 mètres. On verra tout à l'heure. Et je savais que cet objet était pour Sophie. Donc je vais à l'atelier, je dessine, je travaille, je trouve des textes, j'amène Gombrowicz ou Picabia. Après, on répète 2 semaines, on se quitte. Nous, on travaille à l'atelier, c'est vraiment un long processus. Quelle latitude laissez-vous aux comédiens une fois que ce travail de préparation en amont est terminé ? C'est-à-dire que c'est assez énorme, mais parce que c'est des gens qui font partie de l'écriture. C'est-à-dire que ce qu'ils sont intimement et dans le jeu, c'est des gens qui font partie de cette écriture. Vous les laissez improviser, enfin, en partie. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, 3 jours en disant, par exemple, je donne le sujet, ça va être aujourd'hui, on va faire semblant de mourir. Donc on passe la journée à faire semblant de mourir. Mais voilà, après, c'est parce que c'est ces acteurs-là. Depuis, le travail est plutôt vu. Donc il y a beaucoup de comédiens qui viennent me solliciter. Et c'est au-delà du travail d'interprète, quoi. C'est vraiment, quand dans le coup du cri, qu'on dit « welcome » dans la gueule du loup, il y a vraiment... alors le mot d'aventure, il est tellement galvaudé que je n'ose même pas l'utiliser. Mais c'est vrai que là, pour les gondoles, on est partis à Venise, tous. Je ne sais pas si ça restera, si les vidéos qui ont été faites serviront, mais ça fait partie de ça. Il y a quelque chose de, je dirais, d'expérimental, de familial, de très affectif et d'artistique. Et les gondoles à Venise, c'est d'après... Lorenzaccio. C'est d'après Musset. Oui. Ouais. C'est-à-dire que quand les gens sont sortis du deuxième, certains disaient, tu as ta propre écriture, n'affronte pas de texte classique. Les autres qui disaient surtout, tu peux maintenant te coller un texte classique. Et je trouvais que c'était bien évidemment pas le problème. Parce que pour moi, enfin, il y a quelque chose qui me semble toujours assez étonnant, c'est l'idée que Musset est très moderne, ou que la tragédie est très moderne. C'est très moderne si on le traficote comme le reste, quoi. Donc, c'est vrai que vous traficotez bien quand même. Ouais, je peux pas m'en empêcher. C'est-à-dire que c'est vrai que le Musset de... Et puis Musset, enfin Lorenzaccio, c'est la duplicité, enfin c'est le... Oui, il y a quelque chose sur la vacuité, le ratage, hein, qui me parle beaucoup. Et puis, en plus, ce qui est très drôle, c'est que Lorenzaccio, enfin, quand il a tué le duc Lorenzaccio, Musset le fait mourir tout de suite, et ce qui était beaucoup plus romantique. Mais le vrai Lorenzaccio est mort 11 ans après, et il est retourné en France. Enfin, et c'est tous ces décalages-là qui... Et les gondoles ? Bah, les gondoles, c'est parce qu'il est mort dans la lagune 11 ans après avoir été une sorte d'assistant culturel de François Ier, alors qu'on le fait disparaître tout de suite après le meurtre. Et Laisse les gondoles à Venise, c'était vraiment... C'est les sales mélanges, quoi. Moi, je trouve qu'on peut mélanger les choses sans aucune vergogne, s'il y a du sens et s'il y a une... Et puis, s'il y a une chose nécessaire, quoi. Je parle vraiment de la nécessité de faire des choses. Et voilà, c'est là parce que ça ne peut pas être autrement. Mais... Vos spectacles, 2 extraits. Leti, création en 2002, c'était au Théâtre de l'Orient. Image filmée à Chaillot en 2003. Détail sur la marche arrière, création en 2001, toujours à l'Orient et toujours filmée à Chaillot. On parlait de votre travail, hein, donc sur cette nécessité de partir très en amont. Et souvent, à l'origine de vos spectacles, il y a des livres que vous trouvez chez les bouquinistes, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des livres improbables. Oui, j'ai une bibliothèque assez affligeante, comme ça, parce que je collectionne les Marabouts Flash, qui étaient quand même les éditions « Je décore mon appartement »,
j'éduque mon enfant, je soigne mon chien. Mais ça brasse aussi des choses psychologiques, des problèmes politiques. Enfin, sur le TI, c'était Calmont-Nonnaire. Calmont-Nonnaire, et c'était sur les obsessions. Donc en fait, c'est parti de ce texte-là, et à la fin, il y avait une opérette qu'on a écrite avec Xavier, des poèmes de Picabia. Donc le TI, c'est plutôt sur les fantasmes de l'enfance, et détail sur la marche arrière, on est dans les dérives nocturnes, c'est-à-dire ouais. Ce qui pourrait se passer, mais qui ne se passe pas forcément, mm-hmm. mais qu'on peut imaginer que, bon, etc., etc. Extrait. Commentaire sur ces deux extraits. Alors l'origine du monde, en fait, je voulais qu'il y ait un pouf énorme et chercher un tableau à mettre dessus. Voilà, l'origine du monde. J'aurais pu prendre autre chose. Ouais, mais c'est vrai que c'est passé par des Magritte, c'est-à-dire de la peinture qui fait rire quand même. Et l'origine du monde. De toute façon, il y a toujours dans mes spectacles. Bah là, c'est le quatrième, donc là, je suis bien obligée de le voir. C'est-à-dire qu'il y a toujours. Un sexe de femme, il y a toujours une paire de fesses, il y a toujours le bout du tulet, on arrive là. Il y a là, un quoi. Peu de bite couille cul. Bah, c'est-à-dire que ça parle de sexualité, non, ça parle de l'origine, enfin ça parle de l'origine en fait, plutôt que de sexualité. Ouais. Mais pour toujours le mettre presque en abîme. C'est sûr que là, sur le Sophie sous le pouce, c'est une chanson qu'elle chantait quand elle était petite, c'est vraiment un enregistrement de sa voix. Et en fait, après, elle va passer des heures à essayer de se débarrasser de ce pouf géant qui pourrait être effectivement la figure de la mère, le poids de tout. Enfin, moi, je pense que, et dans Lorenzaccio, justement, c'est l'histoire de l'atavisme, c'est de quoi on doit se débarrasser ou ce qui nous rend fort, et les deux sont bizarrement liés, en tout cas. Quand vous avez cette crudité de langage, cette crudité de vocabulaire, voire cette grossièreté, est-ce qu'elle arrive naturellement dans l'écriture parce que vous avez un âge où on peut parler comme ça, ou dans des moments de déconne on peut être comme ça et qu'il n'y a aucune raison de ne pas le transposer sur scène? Non, je pense que ça peut arriver parce qu'avant je vais mettre un texte de Gombrowicz, parce que je vais écrire une opérette sur l'histoire d'un pommier, et donc après je peux mettre un... C'est-à-dire que ces choses-là arrivent, elles ne sont pas en permanence, mais c'est vrai qu'elles arrivent à un moment où... Moi, je pense que ça a à voir avec de la poésie, donc il y a un moment où ça dérape forcément. Oui, mais ma question porte sur est-ce que ça équilibre, ou est-ce que c'est réactif? Une magnifique élégie, par exemple, et dire merde derrière pour se rappeler que la vie est un peu plus compliquée que... Oui, je pense que ça a à voir aussi avec le rapport intime que j'ai aux choses, c'est-à-dire d'être comme ça, sensible à la poésie, aux images, à la peinture, et puis il y a des choses très scabreuses, quoi. Et c'est vrai que ce mélange-là, il nous laisse vivaces. Et est-ce qu'il y a du cynisme chez vous? Est-ce qu'il y a une part de cynisme dans vos spectacles? Non, je pense que c'est profondément désespéré, mais c'est pas cynique. Je voulais vous faire écouter Federico Fellini. C'est un extrait de ce DVD, Ciao Federico, un film de Gideon Bachmann. Et Fellini répond à la question pourquoi faites-vous du cinéma? Mi hai chiesto qual è la forza che mi muove nella vita nel mio cinema. Sì, che ti anima. La forza che mi muove nella vita rimane senza risposta, perché se io la sapessi avrei risolto delle cose abbastanza importanti, probabilmente. Posso tentare di rispondere che cos'è che mi spinge a fare il cinematografo. Anche questa è una domanda a cui rispondo con certe esitazioni, perché
non lo so mica bene. Probabilmente il cinema è per me la forma più congeniale di realizzare me stesso, di realizzare le mie fantasie, le mie immaginazioni, ma ancora di più forse, proprio di realizzare me stesso. È per questo che io faccio il cinematografo con una immensa gratitudine anche a chi me lo fa fare, anzi ti posso fare una confidenza, io quasi mi meraviglio che mi paghino, tanto è il divertimento che provo a raccontare le mie storie attraverso le immagini. Ciao Federico, c'est chez Carlotta Film. Enfin, il n'a jamais rendu l'argent non plus. Est-ce que ça vous ressemble ce qu'il dit? Ah oui, c'est vrai que souvent je dis que. Parce que c'est quand même. C'est pas un parcours du combattant, mais c'est un peu de l'ordre de la bataille de fabriquer ce genre de théâtre. C'est vrai que. Moi, j'ai la production déléguée de tous mes spectacles, je refuse beaucoup de choses. Vous n'êtes pas subventionné? Non, toujours pas. Donc, mais en même temps, c'est logique. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je mets... Oui, j'espère un petit peu quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que je mets en branle et qui rendent assez schizophrène. C'est-à-dire dans l'idée de fabriquer des choses qui ont cette ampleur-là, qui ne sont pas des formes minimalistes ou des petites formes, comme c'est beaucoup le propos en ce moment. Moi, je dis souvent, j'aime pas les petites formes, j'aime que les grosses formes. Donc c'est vrai que c'est une bataille de faire ce théâtre-là. Après, c'est des gens... des rencontres et des... Mais souvent, je disais, si je pouvais faire autre chose, c'est vraiment pas le cas. Et ouais, c'est comme aller aux toilettes, il faut que ça sorte, quoi. C'est-à-dire que... voilà, c'est... Vous pouvez être constipé parfois, mais... Ouais, mais voilà, ce truc doit être là, ce truc doit sortir, et cette chose, elle est là d'une façon vitale et fondamentale. Dans les livres dont vous parliez tout à l'heure, il y a aussi Fellini's Faces, qui est un de vos livres de chevet, apparemment. Ouais, ouais. C'est le livre dans lequel Fellini avait tous les portraits de ses interprètes. Oui, et tous les figurants, tous les interprètes. D'ailleurs, j'ai un truc très drôle, c'est que j'étais dans le bureau d'Ariel Goldenberg, le directeur de Chaillot. Il y avait Daniel Mesguich, et j'arrive avec ce livre. Et je dis, tiens, c'est tous les figurants de Fellini. Il me dit, non, non, pas du tout, ce sont ses acteurs préférés. Et il me dit, d'ailleurs, dites-moi quelle page je suis. Moi, ça me fait juste rire, parce que ça raconte, je trouve, beaucoup de choses. Mais c'est-à-dire qu'il est coincé entre une femme énorme, un type anorexique. La vie, quoi. Voilà, il est au milieu. Donc, bon, on peut considérer que ce sont ses acteurs préférés, mais c'était assez drôle. Mais c'est vrai que c'est un espèce de panorama humain. Et c'est vrai que le film dont je parle souvent, c'est Elephant Man, parce que c'est l'idée d'être... c'est le petit monstre qu'on a en nous qui me passionne. Alors, quoi, justement, vous insistez, votre effet stabilo, il est sur la dimension... monstrueuse, j'allais dire inhumaine, mais c'est ridicule, puisque c'est la dimension monstrueuse. Il y a peu de beau, enfin, il n'y a pas du tout d'angélique, mais il y a peu de beau... Enfin, quelqu'un qui sortirait du lot, ou une situation ou une scène qui sortirait du lot et qui serait plus vers la poésie. On est systématiquement plutôt dans le trash, ou en tout cas dans la perte ou dans la peur de... Moi, je trouve que dans le coup du cri, il y a des scènes, c'est un tableau de Jérôme Bosch, quoi. Donc moi, je trouve que l'idée du beau, alors après, elle est, mais je trouve qu'on est dans des zones... picturales et esthétiques qui sont pour moi magnifiques, mais c'est vrai que par exemple le jardin qui est derrière le salon dans le coup du cric, un mélange entre un jardin japonais, il y a une levrette gigantesque, mais c'est vrai qu'il y a la moitié du théâtre qui voit pas que c'est une levrette, donc c'est une femme qui gît, et je trouve ça assez beau, ça. Je trouve que c'est assez beau il y a quelque chose de magnifique dans le ratage, dans l'abandon, dans ce qui colle pas dans les normes et dans la limite de tout ça. Ouais. Un mot sur... on parlait des comédiens et ceux de Fellini notamment, sur la manière dont vous... Enfin, votre morale comme patronne de troupe, qui est de ne pas vous octroyer un salaire plus important, de tout partager, tout le monde a le même cachet, en plus d'aller chercher des gens qui ne sont pas forcément des gens évidents dans le théâtre, mais plutôt des gens qui galèrent à la NPE ou qui n'ont pas fait de scène pendant des années. D'où vous vient cet esprit? C'est vrai que j'ai commencé comme ça. Après, maintenant, c'est le quatrième, donc il y a des gens qui font partie vraiment de la compagnie. On est un espèce de noyau dur. Mais c'est vrai qu'au début, moi, les gens qui sortent du conservatoire, ça me terrorise. Pour moi, dans cette écriture-là, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut...
Il y a et ce qui était assez génial, c'est que les premiers spectacles, il y avait des metteurs en scène qui venaient me voir en me disant « Mais qui sont ces comédiens incroyables ?» Et moi, j'allais à la NPE du spectacle parce que voilà, parce qu'il y a des gens, il y en a plein des comédiens. Après, faut les chercher, faut qu'ils rentrent dans cette écriture-là. Ils ne sont pas interchangeables, ce n'est pas vrai. Alors, l'amour, la création, l'affection, il y a quelque chose de très mêlé dans tout ça, quoi. Et l'acteur Stéphane Roger dont je parle, je l'appelle mon museau parce qu'il n'y a pas de mot masculin pour muse. Donc voilà, j'ai un museau. Alors c'est vrai que j'écris pour lui parce qu'il a... Et quand j'ai rencontré Stéphane, bon, c'était vraiment le profil classique du comédien qui est dans des petits projets, entre guillemets, mais il y a des perles, il y a enfin voilà, l'idée de la découverte et de quelque chose de vierge aussi. Parce que pour inventer cette écriture, il faut qu'on soit tous un peu vierges. Pour y aller, pour se risquer. Est-ce qu'on peut imaginer que des gens vous fassent peur parce que, pas parce qu'ils seraient trop connus, mais simplement parce qu'ils seraient trop formatés, finalement. Pour le penser comme ça, enfin, votre réponse, on peut l'imaginer comme ça aussi. Ouais, ou m'emmerder aussi, tout simplement. je n'ose pas encore utiliser tout à fait votre vocabulaire. Il y a un personnage qui est emblématique, me semble-t-il, de ceux que vous décrivez ou de ceux que vous avez envie de mettre en scène dans vos spectacles, c'est Zouk. Extrait de La fourmi à Bobino, c'est le 14 décembre 1980, c'était sur Antenne 2. Regardez. Moi, quand j'étais petite, j'allais voir les spectacles de Zouk et des opérettes. Et je trouve qu'elle est d'une ambiguïté phénoménale. Je trouve que c'est en même temps d'une drôlerie ravageuse. C'est une plaie béante. Ça a à voir avec la peinture. Enfin, je trouve que c'est une grande, grande artiste, quoi. C'est vraiment au-delà du comique. C'est comme les choses se mélangent. Moi, je me souviens du spectacle que j'allais voir où elle faisait un hôpital psychiatrique où les gens ne riaient plus au bout d'un moment. C'est de l'ordre du ravage, du désastre. C'est vraiment l'espèce d'énergie comme ça. Et c'est ce rire-là c'est un rire qui fout tout en l'air, quoi. Et la vie rattrape parfois aussi cette difficulté dont vous parlez, ouais. Hein, puisque Zouk a eu beaucoup de difficultés après son succès. Sur vous, une question peut-être un peu plus personnelle, parce que je lisais dans une interview que vous donniez, et vous disiez que le soir, vous étiez quasiment compulsif quand vous rentriez chez vous, et vous regardiez partout pour voir s'il n'y avait pas de fantômes Oui, ça c'est. On appelle ça les. On m'a dit que c'était des peurs catholiques, parce que je suis allée chez les sœurs, j'ai été dans des. Mais je suis une grande trouillarde. Ouais. C'est-à-dire que ça prend des proportions, et je pense que j'en parle beaucoup dans les spectacles, de la trouille, oui, il y a quelque chose, un rapport assez mortifère comme ça aux choses, donc. Avec l'idée de l'inconnu, du gouffre, du ciel qui peut nous tomber sur la tête, cette chose-là est ultra présente. Ouais. Et vous avez beaucoup regardé les films d'épouvante également. Ouais, Mario Bava, Dario Argento, L'homme qui rétrécit, qui est quand même un. Et je trouve ça, c'est comme Zouk. Enfin, c'est ces choses. C'est l'effroyable qui rentre d'une façon insidieuse, et je trouve ça magnifique. Mais je trouve que voilà, ça parle de. Donc finalement, je serais provocateur, mais je veux dire, vous n'avez aucun mal à écrire vos pièces, puisque. Vous vivez tellement ces situations, vous êtes tellement dans ces situations. Oui, je crois que c'est un état, c'est un état de vie et de création, c'est vrai. Le coup du cric andalou, on va regarder un deuxième extrait. C'est la dernière scène de la pièce, avec notamment le texte de Picabia. Okay, vous êtes des gens bien élevés, mais on peut être bien élevé sans être lâche, et que c'est une lâcheté que d'applaudir à toutes les idioties que l'on vous propose sous prétexte de modernité. Bon, j'ajoute aussi que les cris
Et les coups de sifflet me paraissent aussi absurdes que les ovations. Les pauvretés que l'on vous propose sous l'étiquette de l'art valent exactement le silence. Vous exprimez à travers soi-même. Tout ce qui nous vient des autres est encombrant, incertain et surtout inutile. Il faut laisser faire la nature. Elle fait bien ce qu'elle fait. Les idées pourrissent comme les fleurs et les gens. Voilà. Je vais ramasser ma copine. Alors applaudir une lâcheté qui serait d'applaudir toutes les idioties qu'on nous montre. Est-ce que là, il y a une manière de vous faire à vous-même un pied de nez ? Ah oui, oui, c'est vrai que je suis la première concernée par la distance que j'ai avec les choses et par un regard comme ça un peu critique. Je me mets la première en défaut comme ça. Je suis très... Oui, je pense que je suis la première concernée. C'est pas... C'est vrai que... en plus, sur ce qui se passe en ce moment, je trouve que... Voilà, moi, j'assiste à des spectacles et là, c'est vrai qu'à Beaubourg, c'était assez agréable parce que, comme je dis, ça trimballe des choses très traditionnelles aussi et on peut, je pense, créer quelque chose. Et le problème de la modernité, pour moi, maintenant, il se pose plus parce que tout a été fait. Donc maintenant, c'est plutôt l'idée de la nécessité plutôt que de la modernité. Vous êtes né en 1967. Louis Siak, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Sophie Pérez ? Non, je dois parler de ma ignorance, à partir de ma ignorance, mais il y a quelque chose qui... Non, dans la demi-heure, là, ce que vous avez vu dans cette demi-heure pendant laquelle oui, vous l'avez voilà. Écouté. Ah non, je trouve très intéressant que dans le monde du théâtre, l'enrichissement, c'est l'utilisation de tous les outils artistiques, entre guillemets. Je veux dire, il ne faut pas se limiter, il faut ouvrir les concepts théâtral, je pense. Sinon, c'est pas possible de continuer en répétant toujours mimétiquement ça que la tradition nous a donné. Et une autre chose que je trouve, c'est que sans risque, ce langage se finit très tôt. Il faut se risquer, il faut pas aider, c'est pas les mots, non, mais il faut admirer les risques dans ces domaines-là. Il y a une autre chose encore que m'étonne, mais là c'est l'interview qui m'étonne, mais ça m'étonne aussi comme chanteur, c'est cette ambition saine, mais très difficile de rationaliser les pourquoi de la création. Je crois que ce n'est pas possible, parce que dans la création, dans la musique, dans le théâtre, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout rationalisables, c'est pas possible. Et que si, je crois que si elle... Un jour arrive à pouvoir rationaliser tout ce qu'elle a dit, elle doit dire, il ne faudra pas qu'il fasse de théâtre. Il sera fini. Parce qu'il y a les fantômes qui sortent au milieu des idées, de références culturelles, atavique, familiale. Et j'aimais beaucoup quand elle disait la culture andalouse, italienne avec... Mais cette envie de rationalisation que nous avons, pourquoi ça, pourquoi là, mais il y a un côté que je crois qu'il ne faut pas rationaliser. Mais ce qui est intéressant dans les questions, c'est que dans le vocabulaire utilisé, dans la manière de se tenir ou dans la manière de réagir par rapport à un extrait d'un spectacle de Zouk, par exemple, c'est dit sans être rationalisé, mais c'est dit ce qui peut amener une création. Oui. Mais de la même façon, excusez-moi, j'ai trouvé beaucoup de poésie dans les deuxièmes extraits qu'on a posés. Mais plastique, c'était tellement poétique. Moi, en plus, je comprends mal les Français avec les retours que nous avons ici sur le plateau, mais je trouvais totalement poétique. Et ça touche. Ça tombe bien, puisque votre dernier album s'appelle Poète. Oui, mais pour des autres raisons. on va en parler dans un instant. J'aimerais vous demander peut-être de nous interpréter une première chanson. Ça s'appelle Canso a Manalta. Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. Fem el mateix camí sota els mateixos cels. Corren les nostres ànimes
con dos rius paral·lels. No podem acostar les nostres vides calmes. Entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes. No podem acostar les nostres vides calmes. El teu batec suar en els meandres grocs de lliris verds de pau sento com si em seguís el teu batec suar i escolto la teva tremolosa i amiga de la font a la mar la nostra pàtria antiga i escolto la teva aigua tremolosa i amiga en els Louis Siak, merci Louis. J'ai une première question à vous poser. Je retrouvais un vieux numéro de Chorus, magazine français qui traite de la musique. C'était en 1999. Vous disiez, à partir de 50 ans, il faut commencer à apprendre à se débrouiller avec sa décadence. Ouais. Et ma question aujourd'hui, c'est comment est-ce que, 6 ans plus tard, vous débrouillez-vous avec votre décadence ? Je tente de gestionner cet spectacle vital que c'est la décadence de le corps, et pas seulement de le corps, de l'énergie aussi, avec, je sais pas, une certaine curiosité encore. Et je crois qu'il faut s'asseoir en face de soi-même et de regarder la gestion de ces dernières années de la vie. Ce sont des moments très délicats, difficiles, et on ne nous prépare pas pour cela. Et quand même, c'est un moment où la richesse de l'expérience, l'expérience est aussi des barreaux, hein. C'est l'expérience, c'est richesse et c'est emprisonnement en même temps. Pardon. Tout ça, c'est difficile à gérer, mais c'est très intéressant. C'est très stimulant. Je trouve très émouvant ces moments-là, parce que c'est pas facile, mais c'est bien. Dans les éléments qui
contribue, et je trouvais que l'expression était fort intéressante, hein, gérer la décadence, dans les éléments qui contribuent à gérer votre décadence, à vous regarder, à vous asseoir face à vous-même. Est-ce que le fait de vivre dans votre petit village, 300 habitants, ou le fait de passer 2 mois en mer sur votre bateau chaque année, est-ce que ce sont des outils? C'est évident que la nature t'impose, t'oblige à voir exactement ton état. Il te met exactement la mesure. La limite. Si, toutes les limites. Et ça apporte beaucoup de réflexion. Ce n'est pas seulement un problème physique, je crois aussi que c'est un problème d'énergie. Non, c'est quoi que... Mais en même temps, le fait d'être dans un village... Ouais. Où il y a peu d'habitants, d'être sur un bateau, c'est aussi des manières de prendre du recul et de refuser ce que vous connaissez par ailleurs, c'est-à-dire une notoriété, c'est-à-dire aussi les voyages, c'est-à-dire aussi les concerts. Mais franchement, la notoriété que j'ai eue dans... Je m'en fous, excusez-moi, mais je m'en fous. Je trouve que vivre dans un village ou monter dans un bateau et partir, c'est surtout se retrouver, que c'est très difficile, tel comme la société nous oblige à nous comporter. Non, se retrouver à soi-même, la réflexion sur soi-même et surtout l'observation. L'observation de soi-même. Parce que je crois que sans cette observation, c'est impossible de regarder rien à l'extérieur. Non, je veux dire... Et ça me sert à ça, mais aussi les contacts avec les gens, vous écoutez là maintenant, ça me sert beaucoup, ça m'enrichit. C'est gentil, merci. Ça m'a fait poser des questions. Il y a une deuxième phrase sur laquelle je m'arrêtais en préparant cette rencontre. C'est ce que vous disiez 2 ans auparavant, c'était en 97. Vous disiez, nous sommes... toute création, pardon, toute relation commence par un acte de sublime égocentrisme. Or, c'est presque contradictoire avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire... Non, mais je voudrais pas généraliser ça, mais dans la création de quelqu'un qui va composer une chanson, l'égocentrisme est total. Quand tu es dans une nuit calme ou pas calme, sur un piano, et tu commences à faire un intervalle avec 7 notes, 12 notes, qui sont là depuis des siècles, que tout le monde a utilisé, manipulé, et tous les intervalles sont faits. Et tout d'un coup, tu te crois le centre de quelque émotion spéciale et universelle, et tu commences à trembler, mais trembler physiquement et dans l'intérieur. Et tu fais une mélodie, ça peut donner pour un acte de narcissisme total. À tel point que tu n'y as pas un compte. Dans ces moments, le public ne compte pour rien. Si tu en fais un disque, ça ne compte rien du tout. Si la chanson sera belle, ça ne compte pour rien. C'est un acte totalement concentrique à soi-même. Et après, le reste, c'est une autre chose. Non, mais ces moments-là, c'est le plus important, je crois, et le plus séduisant pour moi-même, non, c'est un acte de narcissisme absolu. Absolu. Ça fait honte de le dire. De le raconter comme ça. Tu te crois Dieu, hein, dans tes limitations, mais tu te crois Dieu, la création. J'allais vous poser la question, mais vous y répondez avant que je vous la pose. Après arrivent les bateaux, la nature, les petits villages, tu trouves la Marie qui te dit bonjour, et tu dis Marie, bonjour. Merci beaucoup. Louis Siak, on va quand même regarder un peu ce que... Une fois sorti de cet égocentrisme et une fois sorti de votre divinité, vous avez un parcours public. Je voudrais vous faire écouter l'Estaca, mais vous connaissez évidemment, remettre en mémoire des gens qui nous regardent, l'Estaca qui est une chanson symbolique et qui a une histoire sur laquelle on revient dans une seconde. Et c'est cette chanson qui a contribué à votre notoriété, même si vous vous en foutez. Je
Cette chanson, elle a incarné, enfin ça a été l'hymne catalan de la résistance antifranquiste. C'est une chanson qui a ensuite été reprise par Solidarność en Pologne. Et c'est une chanson qui récemment est vendue aux États-Unis et elle est présentée comme chanson du folklore polonais ou de la tradition. Ça me flatte totalement. Tradition polonaise, c'est extraordinaire. Ça me flatte totalement. C'est une chanson qui a fait les chemins toute seule. Je l'ai composée l'année 68 et imaginez, elle était interdite. Et après, on l'a chantée déjà tout de suite sous les colonels grecs. Seulement que c'est une chanson qui a fait de la compagnie à des gens qui étaient dans la disgrâce. Mais c'est bien comme ça, c'est bien. Et là, on l'a vu, ces images étaient extraites de Louis Siak, Enfant de Catalogne. C'est un documentaire de Jean Hénin qui a été diffusé en février 97 sur France 3. Sur cette chanson, alors un rappel historique pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, mais cette chanson a été... vous arrivez à la chanson et vous chantez en catalan parce que c'est le seul endroit où on peut parler catalan sous Franco. Parce qu'on ne peut pas parler dans sa famille ou dans la vie quotidienne, on ne peut pas parler catalan. Non. En revanche, ce n'est pas interdit dans la chanson. Voilà. Et là, avec quelques militants purs et durs de la bonne cause, vous vous engagez dans cet espace et cette chanson vient de là. Disons-nous que sous le franquisme, toute l'Espagne souffrait les mêmes conséquences. Ouais. Seulement que si tu appartenais à une culture persécutée comme la catalane, s'ajoutait un autre problème. Je dois dire que dans la famille, le catalan, c'était notre langue. Un jour, tu arrivais à l'école à 4 ans et on te disait « para », on ne dit pas « para », c'est dit « c'est padre ». Dans les langages d'école, d'institut, culturel, officiel… Et « para », c'est quoi, c'est « père » ? Si. Ouais. Les catalans étaient interdits. Non et, alors, sous la répression franquiste, ils avaient prévu les théâtres, les cinémas, même l'opéra. Wagner était interdit au lycée de Barcelone parce que c'est la Valkyrie. Je ne sais pas pourquoi. Freud pourrait expliquer beaucoup mieux que moi pourquoi j'interdisais la Valkyrie. Mais bon. Et tout d'un coup, la chanson n'avait pas été objet d'aucune loi. Il y avait un vide, là. Nous avons passé par là. Et nous avons commencé à chanter des chansons qui devaient passer la censure, mais quand même, on pouvait dire quelque chose. Parce que si vous lisez l'Estaca, par exemple, en français, elle est incompréhensible, elle ne dit rien. C'est l'histoire d'un homme qui est attaché à un pieu et il faut détacher le pieu. Mais c'est la métaphore de la métaphore, mais la métaphore. Quand tu finissais de composer les chansons, tu te disais, bon, tu vas sortir sur scène et personne ne va comprendre. En même temps, rien. Vous dites de cette chanson qu'elle vous a échappé. C'est-à-dire qu'elle était là tout de suite. Et vous avez cette remarque que je trouve extraordinaire. Vous dites, quand j'ai composé cette chanson, une demi-heure ou une heure ou deux heures après, je me suis dit, mais je l'ai déjà entendu quelque part et c'est pas moi qui ai fait ça. Ouais. Et tous vos amis disaient la même chose. Oui, je suis allé chez mes amis, j'ai dit, écoutez, c'est beau, me disait tout, c'est bien. Tu l'as écouté jamais? Non. Mais après demi-heure, je venais, écoute, lui, peut-être oui, je l'ai écouté. Parce que les refrains, il est tellement. C'est ça être Dieu finalement. Hein. Ça, non. Je crois que ça, c'est plagier toutes les musiques du monde. J'ai plagié tout. Louis Siak, vous avez tout fait alors. Ce type de chanson, aujourd'hui, vous êtes dans le registre poète, vous chantez seul, vous chantez à plusieurs, vous avez écrit des symphonies, vous avez composé des cantates, vous avez fait des albums concept, vous avez utilisé la musique électronique. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, convient le mieux au décadent que vous êtes? Non. Quelle est la formule? Alors que vous avez une palette extraordinaire, une richesse de création extraordinaire. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans ce moment de regard sur vous-même? Encore, je ne sais pas combien de temps, mais ce qui m'a plu, c'est l'apprentissage. Et je crois que dans les domaines de la musique, on est toujours, ça se dit par là, on est toujours vierge, tu vois. Et encore, j'ai envie d'apprendre des choses. Mais
mais je suis très commode, par exemple, en racontant au sadomaso qui vient me voir, mes contacts en Catalogne, par exemple, mes contacts avec les poètes que j'ai eu la chance de connaître, et raconter comme on a écrit ensemble une chanson, etc., etc. Ça me ressemble un peu à un petit patrimoine personnel que je peux passer aux gens qui viennent me voir, etc., etc. Mais dans la musique, l'apprentissage continue, si c'est possible. On vous écoute dans la chanson « La casa que vouille », « La maison que je veux ». Ce sont des images extraites du concert poète qui a été enregistré à la Sala Apollo de Barcelone. C'était fin janvier 2004. C'est dans votre actualité ou dans votre manière actuelle de faire de la musique et de la chanson. Regardez. La casa que vull que la mar la vegi i un carres en fruit que me la festegi, que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins, que la pluja maina. Encienta el repòs, que la lluna hi vingui i quan surti el sol el bon dia em digui. El temps de l'estiu, niu i luna neta, el blanc de castig del porxo amb abella. Oïm la cançó del pagès que cava amb la celebró de la matinada, que es guaiti ciutat des de la finestra i assentim els clans de guerra o de festa, per ser-hi ben prest si arriba una gesta, per ser-hi ben prest si arriba una gesta. Il y a là une simplicité, enfin, comme si vous vous recentriez sur l'essentiel. Oh, ça c'est magnifique à vous dire ça. Parce qu'on est tellement entouré de banalités dans nos métiers que tenter de nettoyer, c'est... Mais je crois que je ne suis pas là. Quand vous disiez il y a une seconde que vous étiez toujours prêt à apprendre... Quels sont aujourd'hui les sons, les musiques, les pratiques musicales qui vous questionnent encore? Moi, franchement, je crois que je n'irais pas me confronter à ça. Mais je pense que la chanson, disons-nous, populaire, ou moderne, on dit moderne, je ne sais pas pourquoi on dit moderne, parce que nous faisons des harmonies de Bach encore et des rythmes aussi. Serait de faire les pas que je crois que la chanson doit faire un jour, c'est de rentrer dans, au moins dans Stravinsky, je ne dis pas Petrescu ni Shostakovich, mais dépasser un peu cette harmonie et rythmique déjà connue du classique, ouais. Qu'on change de sonorité et qu'on met un homme à la mode, etc. etc. Mais, et faire un peu d'innovation, mais je me vois pas capable, mais j'aimerais faire ça, si j'aurais l'énergie et la sagesse. Comment travaillez-vous? Avec un piano. Avec tous les jours ou quand ça vient? Quand ça arrive. C'est vrai que l'exercice, la discipline, ça aide beaucoup. Hein. Ouais. Mais il y a quelque part quelque chose de les fantômes. Parler avant. Il y a des fantômes là-dedans. Et un jour, les fantômes commencent à sortir la tête comme un gremlin et doivent s'exprimer. Et là, il faut en profiter, avoir le piano prêt. Tout le piano à disposition, voilà. Sous la main. À la fin, peut-être tu fais une vulgarité, mais dans ton narcissisme, tu crois que tu fais quelque chose d'extraordinaire. Louis Sliac, vous avez une vie de militant. Et cette... Qu'est-ce que ça veut dire, une vie de militant? Quelqu'un qui se bat ou qui prend position contre toutes les injustices. Oui. Ça commence avec la Catalogne, ça commence avec l'Espagne franquiste. Là, vous travaillez à la musique d'un film sur Puy Gantich, qui est le dernier garrotté, anarchiste garrotté par Franco. Comment est-ce qu'a évolué votre résistance? Écoutez, peut-être je suis pas original en disant ça, mais je n'évolue pas parce qu'en réalité, je suis amoureux de l'être humain. Disons-nous que
En dehors de tout cela, de tous ces mots, de tous ces concepts, c'est l'amour pour l'être humain. Et pour tenter de que cet être humain mérite un jour un monde meilleur. C'est ça qui m'a fait. Soit sous les franquismes, ou soit face à la prochaine constitution européenne. Quelles sont aujourd'hui vos priorités? On vous recevait il y a 5 ans, et à l'époque, vous étiez engagé contre les horreurs en Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, quelles vous semblent être les priorités quand on aime l'humain, comme vous le dites? Moi, il y a une chose que m'angoisse, que me rouille. C'est cette espèce d'ignorance du premier monde, de ça que nous arrive avec notre rapport avec le troisième monde, ça qu'on appelle le troisième monde. Non? Que nous croyons tout d'un coup, nous nous sentons agressés pour le troisième monde. Et nous sommes capables, dans notre commodité, notre conformité, de pas rationaliser. La spoliation, l'exploitation, la colonisation. On n'a aucune envie de raconter les choses que nous passons aujourd'hui en conséquence de nos actes passés et présents. Et ça, dans un monde qui s'appelle le premier monde, m'apparaît à un niveau intellectuel, culturel, insupportable. Enfin, les riches et les pauvres, les dominants, les dominés. Oui, mais ouais. C'est pas déjà ça. Ça va plus loin que ça. Non, mais c'est. Je parle déjà de nous. À l'intérieur. C'est pas un problème de justice, que c'est incroyable. C'est aussi un problème de justice. Voilà. Mais aussi. Mais c'est nous. Quand nous nous regardons au miroir, et nous sommes capables de nous accepter, nous assumer comme ça. Comme si la pauvreté, c'est une nécessité pour notre survivance, pour que le métro passe chaque jour à l'heure, etc., etc. Ou on détruit des pays entiers pour que notre ressource économique soit bien gardée. Et après, nous tentons de rechercher les explications d'attentats ou de... Tu te dis, c'est pas possible. Mais là, vous n'êtes plus... vous êtes moins militant. Ouais. Qu'on a pu vous connaître, on est plus dans une philosophie que une revendication. Je crois que je renie totalement ça que vous dites, parce que je crois que au-delà des maximalisations, je crois que derrière de toute revendication, il y a un pouvoir philosophique. Je m'exprime mal en français, il y a une pensée philosophique. C'est-à-dire, une fois cette prise de conscience, après, il faut poser le discours politique. C'est très facile, dire quoi. Les gens, ils militent parce qu'ils ont besoin d'éjaculer sa énergie. C'est pas vrai. Il y a de la philosophie, de l'humanisme, des sentiments derrière tout cela. On milite pour amour. On milite contre Franco, pas pour une idée sexuelle contre Franco. On lutte pour amour à l'être humain. Sinon, ça serait idiot. Je voudrais qu'on termine avec la musique. Et prochainement, vous êtes au Trianon avec Imouvrini, Pascal Comlade, Moussé Hakim, les chanteurs de Zebda, et Sappho. Il y a là un mélange intéressant. Mais très, très méditerranéen. Oui. Ça a été fait pas exprès. C'est pas, on n'a pas pris la Méditerranée, on a dit, mais finalement, elle est méditerranéenne. C'est très méditerranéen. Comment ça se passe quand vous imaginez des spectacles, ou quand vous acceptez des spectacles comme ça, avec d'autres? C'est un privilège. C'est un privilège. Mais de toute façon, écoutez, pour moi, Imouvrini, on était toujours une référence musicale dans ma recherche de sonorité méditerranéenne. Avec Pascal Comalade, j'ai une amitié depuis qu'il était enfant. J'aime son parcours, son attitude personnelle, sa motivation. Ils sont très motivés. Et ça, faut que je l'aime, c'est tout. Écoutez.
Je vais vous faire écouter Pascal Comelade et j'ai envie de rappeler cette anecdote parce que elle me semble complètement correspondre à ce que vous êtes et à ce que vous incarnez. Au moment où Felipe González arrive au pouvoir, vous le soutenez, vous faites des concerts de soutien aux leaders socialistes et ensuite, une fois arrivé au pouvoir, Felipe González fait adhérer l'Espagne à l'OTAN alors qu'il s'était engagé pendant la campagne électorale à ne pas faire. Et après l'élection, vous lui faites un procès en lui disant « il m'a trahi, il a menti ». Et donc les juges vous donnent raison, mais ça ne va pas plus loin parce qu'il y a un vide juridique. Le juge me dit qu'il n'y a aucune loi qui lui permet de me donner raison juridique malgré que j'ai raison sociale. C'est beau, ça. C'est vous. Alors, voilà, ça, c'est une partie de de ce que vous êtes. Autre partie, c'est l'amitié. Écoutez ce que nous disait Pascal Comelade. C'était le 18 septembre 2002. Donc il parle de là où il se situe, où il pense se situer en tout cas dans le paysage musical, et il parle aussi d'une ville qui est Barcelone. C'est dans cette ville que j'ai le plus travaillé. Allez, plus travaillé. C'est la ville que je connais le mieux, c'est la ville vers laquelle je vais tout le temps où je reviens, que j'ai le plus d'amis, donc c'est ma ville, quoi, voilà, c'est tout. Et vous avez vécu avec Louis? Oui, en 74-75, à une époque pas très rigolote. Là, à un moment donné, je suis obligé de me situer. Je suis obligé de dire que, quand même, je fais partie d'une frange de musiciens qui est très marginale. Qui est très, très... Bon, si tant est qu'il y a une marge. Je suis un musicien marginal. Je suis dans une marge, donc je peux me permettre, et des fois c'est un luxe, d'exister ailleurs que dans les passages obligés pour la quasi-totalité des musiciens qui sont, disons, la réelle politique du spectacle, je dirais. Commentaire de ce que non, mais quand j'aime pas les mots exiliés parce qu'ici j'ai connu les vrais exiliés républicains espagnols et moi ça m'a fait honte quand on m'a interdit là-bas et je suis venu ici. Mais j'avais 20 ans et m'interdit pendant 5 ans. Et à l'époque, venir à Paris, c'était 22 heures. Et on arrêtait à Montpellier. À Montpellier, il y avait une famille qui s'appelait Comelade. Pierre et Liane Comelade qui nous recevaient. Et dans cette famille, nous donnait auberge, de l'amitié. C'était très dur parce qu'on partait avec la nostalgie, la tristesse, etc. Il y avait un gamin, on avait frisé, avec un piano à queue, mais qui jouait jamais. Il jouait trombone rouillé, piano petit, enfantin, etc. Et sa mère me disait toujours, tu crois qu'on va faire quelque chose de ces gamins? Et voilà, Pascal, c'est un petit frère pour moi. Même s'il dit que c'est un marginal dans la musique. Mais il est un marginal. Il est un marginal parce que l'industrie culturelle de la musique, c'est invivable, ça. Et vous vous situez comment dans cette échelle? Lui est à la marge, vous êtes où? Moi, j'ai une situation très spéciale parce que la situation politique de l'État espagnol m'a donné une telle résonance que malgré que j'avais tous les parcours d'un chanteur marginal, j'étais maximum vendeur de disques à l'État espagnol. Et ça m'a posé... Bon, on s'est utilisé mutuellement, c'est tout. On assume? On assume, mais je me sens totalement marginal. Je veux dire, j'ai eu la chance que pour des circonstances, j'ai trouvé des canaux de communication avec le public. Mais sinon, j'aurais été... Et ce qui est bien pour vous, c'est que ça ne se dément pas. Vous êtes toujours aussi populaire. Oui, c'est un miracle. Et il y a eu des générations qui se sont succédées. Oui, je crois que les mamans, c'était déjà ses enfants. Oui, elles étaient dans le ventre, elles étaient enceintes quand elles allaient vous voir, oui, c'est ça. Maintenant, je blague toujours parce qu'il fait 20 ans, venaient les jeunes avec des yeux magnifiques. J'ai dit, voilà, un jeune, il venait. Tu me fais pour ma maman. Et maintenant, ils me disent déjà, tu me fais pour ma grand-mère. Et ça commence à être dangereux. C'est la décadence. C'est la décadence. Décidément. Sylvie, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Louis Siak? Je ne sais pas, on a parlé de... Ça parle de poésie, de création, de nécessité, de bataille, de l'humain, de...
Et je trouve qu'il y a quelque chose de bizarrement frais. Enfin, ça peut être un mot un peu étonnant, mais je trouve que c'est un souffle, en tout cas, qui me parle. Alors, il y a aussi les origines, puis il y a le rapport à la bataille, au risque, au gouffre, et puis à se protéger aussi, à se protéger pour faire des choses. Et voilà, c'est que des choses qui me parlent, en tout cas. Et donc, j'entends ça avec beaucoup de... Je suis pleine de respect. Je trouve qu'il y a un souffle, en tout cas, qui est une chose qu'on n'entend pas forcément ici, souvent. Et que la politique soit mêlée à la poésie, à la... Il y a quelque chose d'intime qu'on protège. Enfin, je trouve que c'est une force... voilà, quelque chose de très puissant, de très humain et de... Voilà, quelque chose de beau sur la nature humaine et sur la création, en tout cas. J'ai rougi. Mais vous êtes maquillée, ça ne se voit pas. on va écouter, on va continuer l'émission. Et je vous propose d'écouter David Baloula. Il est originaire d'Annecy. Maintenant, il chante à Paris. C'est un touche-à-tout. Il fait de la musique, mais il est aussi plasticien, un peu comme vous. Je vous propose de l'écouter dans un extrait d'un album qui va sortir, qui s'appelle Paul. Et on va écouter un extrait d'une musique aux accents folk qui est fondée sur la mélodie et essentiellement sur le chant. Musique, David Baloula. There's the lamps from landscapes, the chosen nonsense reflects by the telegraph. Mounts off, but fixed to dozen pairs of eyes. Might not just pull that on their own harp, as they can keep on standing beyond. As I am trying to shed on the wires, parts of them. Thank you.
David Balula. Nous ont rejoint Léa Gauthier, qui est rédactrice en chef de Mouvement, l'indisciplinaire des arts vivants. C'est un magazine qui a juste 10 ans et dont on en va fêter pendant quelques minutes l'anniversaire, hein, dans les minutes qui viennent. Mine 30 nuits également, pour notre chronique mensuelle du magazine littéraire, avec deux auteurs, un Américain, Tobias Wolff, et Margaret Atwood, la Canadienne. Mouvement. Qu'est-ce que c'est, Mouvement? C'est 10 ans de travail et c'est aussi une ouverture. C'est-à-dire qu'au départ, on était plutôt thématique et aujourd'hui, on est dans l'art, dans toutes les formes qu'il peut revêtir. Mouvement, au tout début, il y a 10 ans, effectivement, c'était une publication uniquement consacrée à la danse contemporaine. Et en fait, c'était le cahier de théâtre qui avait proposé à Jean-Marc Adolphe, le fondateur donc, de Mouvement, de faire un supplément sur la danse contemporaine, un moment vraiment où il y avait une vraie expansion de la danse contemporaine en France. Et puis en 98, c'est devenu une revue qui ne se tenait plus effectivement à un champ disciplinaire. Donc ça s'est ouvert dans un premier temps au théâtre, assez logiquement par rapport à la danse, et puis aux arts visuels également, parce que les artistes contemporains du spectacle vivant s'alimentaient aussi de toute une culture qui avait rapport aux arts visuels, c'est assez inévitable. Donc que ce soit Balula ou que ce soit Sophie Pérez, c'est clairement votre public, enfin vos clients, quoi, en tout cas. C'est les gens avec qui on aime travailler. On a déjà travaillé, on a déjà écrit un papier sur Sophie Pérez, on a déjà travaillé et publié un papier sur Xavier Boussiron qui l'accompagne. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est dans tous les cas, pas mettre de frontières franches entre les disciplines, parce que ça nous semble assez stupide dans un sens, et pas du tout conforme, en tout cas, à ce qui est de l'énergie, à ce qui est de la dynamique dans le champ de la création aujourd'hui. Donc l'idée, c'était vraiment essayer de sortir d'un ghetto disciplinaire et de se laisser le maximum de liberté. Et ce qui est aussi important là-dedans, c'est que cette liberté émanait non pas d'un désir de faire un objet commercial, mais vraiment, ça émanait... Enfin, c'est pas un produit marketing, Mouvement. C'est vraiment un objet indépendant qui est né du désir des gens avec une... Pas de groupe. Il n'y a pas de groupe de presse derrière. Vous êtes indépendant et vous avez 40 000 lecteurs. Voilà, il n'y a pas de groupe de presse, il n'y a pas d'investisseurs privés fondamentaux. Totalement, c'est-à-dire qu'on vit vraiment sur la publicité, sur les ventes, etc. Et effectivement, on a 40 000 lecteurs, on est distribué en kiosque. Et tout ça s'est fait très progressivement, c'est-à-dire qu'au début, personne, par exemple, n'était payé. Puis progressivement, on arrivait à trouver les moyens économiques pour développer une structure, hein, et sans, je crois, nous trahir sur le fond, c'est-à-dire... Comment faites-vous pour remplir un numéro? C'est-à-dire que vous avez une rédaction permanente et des collaborations extérieures? On a tout un réseau, en fait, de personnes. C'est quelque chose qui est, je pense, extrêmement important dans l'humeur, dans la mentalité de Mouvement, c'est qu'on essaie vraiment d'être au plus près aussi des artistes, de bosser vraiment avec eux en constante. C'est-à-dire qu'on suit leur création, on les connaît intimement. Il y a quelque chose qui fait que... c'est ça, on est sans doute plus des passeurs, si vous voulez. On essaie vraiment de limiter les intermédiaires entre ce qui fait, ce qui peut se dire, ce qui peut s'écrire, ce qui peut se mettre en scène ou se montrer dans les lieux d'exposition, et les gens qui nous lisent. Sur ce numéro, celui du 10e anniversaire, 4 titres, impression, position, ailleurs et demain. Est-ce que, rapidement, vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi d'aller dans ces 4 directions, impression, proposition, ailleurs et demain? Déjà, dans cette chose, les 10 ans, fallait-il les fêter? Nous, on ne voulait pas faire de best-of, on ne voulait pas faire d'anthologie, de mouvements, etc. On voulait, s'il fallait les fêter, il fallait inventer un geste un petit peu particulier, quelque chose qui, à la fois, nous fasse plaisir, parce que, encore une fois, c'est une aventure de 10 ans, ça veut dire un groupe humain, ramifié, donc avec plein de correspondants un peu partout, ramifié aussi avec les artistes avec qui on a l'habitude de travailler. Et donc, il a fallu inventer quelque chose, une architecture. Donc, on a essayé de casser complètement le rubriquage habituel. Et 4 mots nous sont assez spontanément venus à la bouche. Le premier mot, impression, ça correspond simplement à un désir qu'on avait, peut-être encore une fois, de limiter les intermédiaires et de faire parler les artistes eux-mêmes sur d'autres artistes, sur d'autres boulots qui les avaient un petit peu remués,
depuis quelques temps. Et je crois que c'est un panel très... Bon, il y a une quinzaine d'artistes qui sont publiés dans ce numéro. Et c'est très hétérogène, aussi bien formellement que dans les choix. Ils ont choisi des tons très différents. Et voilà, c'était pour nous un peu important aussi que déjà les artistes se mettent à la plume et que les lecteurs puissent avoir ce rapport assez direct, donc subjectif, un peu là, sans qu'il y ait le prisme autoritaire d'une volonté de serrer, de tenir et de mettre un chemin d'emblée. Ça, c'était un premier point qui nous semblait très important. Prendre position pour ménager les conditions nécessaires du travail artistique, de sa production, de sa diffusion, prendre parole pour faire de la politique culturelle un enjeu public partagé. Ça, c'est le... C'est l'ouverture, ouais. C'est l'ouverture de position. Position, parce que ça fait complètement partie aussi de l'histoire de mouvement, c'est que on est extrêmement persuadé du fait que il ne faut pas se leurrer, et surtout peut-être en France, on a eu 20 ans de politique culturelle extrêmement structurée avec une impulsion de Jack Lang, évidemment. Il y a eu tout un réseau qui s'est mis en place de lieux, de scènes nationales, de centres d'art, de fonds régionaux d'art contemporain. Il y a quelque chose qui s'appelle, grosso modo en anglais, l'exception culturelle française. Et que vous questionnez par ailleurs dans une... Voilà, qu'on a décidé de questionner dans une collection que les éditions du mouvement ont montée avec les éditions 174. Une politique culturelle, qu'est-ce que c'est quand elle se dit de droite, de gauche, quand elle se veut novatrice ? Ouais, c'est essayer de questionner, oui. Ouais. Enfin, disons que nous, humainement, si vous voulez, on est complètement persuadés du fait que l'art, ça ne vient pas comme ça, qu'il y a des conditions, que ça fait l'objet d'un débat public et qu'il faut vraiment s'en faire les relais, que surtout maintenant, peut-être, dans la conjoncture politique qu'on connaît, il faut vraiment défendre des choses, non pas par conservatisme, mais parce qu'il faut défendre des moyens de création, aussi extravagants soient-ils, mais il faut laisser la liberté, la possibilité. Voilà, non, c'est quelque chose qui est assez essentiel, on ne peut pas être dupe de ça. Vous donnez envie d'être curieux sur votre travail, Léa Gauthier. Donc, ailleurs, c'est l'autre. Et demain, c'est ce qui risque d'arriver demain. Donc, je voudrais qu'on termine cette rencontre autour de mouvements sur ce que vous discernez. Vous êtes des observateurs attentifs de l'art contemporain aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous semble important ? Est-ce que c'est le fait qu'on ne soit toujours pas 1% du budget de l'État consacré à la culture ? Est-ce que c'est l'absence de créateurs ou suffisamment de créateurs comme Sophie Pérez, par exemple, ce soir ? Quels sont, selon vous, les deux ou trois thèmes sur lesquels il faut avoir en tête pour bien comprendre ce qu'est la culture aujourd'hui dans un monde comme le nôtre ? Non, si on s'est effectivement battu pour défendre le 1% de la culture, du budget de l'État, etc., ou si on s'est défendu, on a pris parti pour défendre le mouvement des intermittents, etc., je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, et j'espère que ce numéro anniversaire le traduit un petit peu, c'est d'une part mettre la focale sur la singularité des gestes artistiques, vraiment être dans une attention à ce que les artistes proposent comme vision de leur monde, et pas forcément désirer le prédigérer, etc., d'emblée. Et l'autre chose, c'est peut-être essayer, en France du moins, de sortir du francocentrisme, essayer de mettre un petit peu en écho les choses et de rétablir des dialogues qui ont pu être sclérosés par moments. Peut-être aussi que c'est l'un des contre-coups négatifs de la politique culturelle ou du moins de l'institutionnalisation de l'art en France. Essayer de redynamiser les choses, redynamiser le discours, redynamiser et réintéresser les gens par rapport à tout ça. Nous, en tout cas, c'est la raison pour laquelle on a fait 10 ans, mais on continue, on ne va pas s'arrêter au bout de 10 ans et qu'on a toujours très envie de se battre pour ça. Parce que je pense que les gens ne sont peut-être pas forcément au fait tout le temps de ce qui se passe, hein, mais en tout cas, il se passe énormément de choses. Il y a énormément de gens qui ont envie, malgré une certaine quand même difficulté de l'époque qu'on traverse, hein, pour se battre et changer des choses. En tout cas, on l'espère. Nous, on mise sur ça, et c'est la raison pour laquelle on continue à travailler. On n'est pas loin d'essayer de travailler dans la même direction que celle que vous venez d'indiquer. Je signale aussi, en termes de pratique éditoriale, la publication régulière de Portfolio consacrée... Ça va dans le sens que je vous disais, c'est-à-dire la présentation directe de travail. De travail. Alors là, c'est Ronnie Horn. Voilà, par exemple, qui est une artiste américaine. Sur les... Ça doit être un clown. Qui doit être un clown. C'est une photographie de pose longue et effectivement, c'est une partie. Et ce qui est assez formidable aussi, c'est de travailler en connexion directe avec les artistes. Un numéro anniversaire, par exemple, on a travaillé avec Christian Boltanski ou Mike Kelly. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un élément qui nous importe, c'est-à-dire de
pas être forcément... enfin, travailler avec des gens, en tout cas, qui sont importants historiquement dans la contemporanéité, mais historiquement, pas forcément avec des jeunes artistes. Et ce qui est génial, c'est de travailler directement avec eux et qu'ils nous proposent des choses. Léa, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui réellement novateur ? Louis Siak disait que tout a été dit, tout a été écrit, etc., etc. Donc, dans l'art, on peut se dire que toutes les toiles ont été peintes également. Mais aujourd'hui, vous qui regardez, qui êtes au contact immédiat, qu'est-ce qui vous semble différents, novateurs, ouvrant une piste nouvelle. Je sais pas, moi je trouve qu'on a trop tendance à dire, et ça bloque, hein, que tout a déjà été fait, ça me semble être des bêtises. C'est Sophie Perret ce qu'il a dit, hein, moi, Non, mais je veux dire, effectivement, tout a toujours été fait. Mais ce qui est important, c'est la singularité des choses, c'est l'attention à la singularité de ces choses. Et peut-être qu'on a tendance à penser que tout a déjà été fait parce qu'il y a une sorte d'homogénéisation constante des choses qui fait que la singularité des propositions ne se révèle pas à ce point. Puis en plus, ça fait peur. Hein. Et puis ça fait peur et puis ça dérange. Enfin, par exemple, là, on a publié un papier plusieurs papiers autour de la censure, autour de... Quand il y a des gens comme Rodrigo Garcia, quand il y a des gens comme même Sophie Perez, ce n'est pas évident d'arriver à mettre en avant comme ça des choses, d'être un petit peu violent, d'être... et que cette violence-là soit perceptible par les autres. Ça a tendance, encore une fois, soit effectivement à entraîner une censure en France parce que les directeurs de lieux ne veulent pas se mouiller forcément, ou parce que ben, y a quelque chose, on ne laisse pas la possibilité. Ce qui est important aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que voilà, c'est de se replonger dans les singularités, essayer de voir aussi ailleurs, et ça me semble important, et de rechoper ça, quoi, le lien direct avec les gens. Numéro anniversaire. Mouvement, l'indisciplinaire des arts vivants, magazine que nous sommes heureux d'avoir accueilli aujourd'hui. Cinéma dans l'actualité culturelle avec La blessure, film de Nicolas Claude, écrit par Elisabeth Perceval, un film dont on a déjà eu l'occasion de vous parler plusieurs fois, présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2004. C'était le quatrième long métrage de Nicolas Claude. La blessure, finalement, c'est celle qui est faite par la police française ou par un État français à tous ces étrangers, l'ailleurs, qui viennent chez nous, qui demandent l'asile politique et qui sont traités sans beaucoup d'égards parce qu'on peut les retenir à Roissy ou ailleurs, ou parce qu'ensuite on ne leur donne pas forcément, surtout s'ils sont clandestins, des conditions de vie décentes. Extrait de La blessure de Nicolas Claude. Mokta ! Mokta ! Je n'ai plus d'eau. Je me dessèche. Il reste du café. Apporte-moi un verre de café. C'est ça. Va chercher de l'eau, beaucoup d'eau, et nettoie pour moi. J'ai les jambes remplies de petits cailloux, et tu voudrais que je me lève. Comment veux-tu que je porte tout ça? C'est pas tes petits cailloux qui t'empêchent de te lever. Tu sais c'est quoi? Arrête, va chercher de l'eau. Là, dors. Les milliers de petits blancs partout. C'est ça qui t'empêche de te lever. Tu as peur? On n'a jamais vu autant. Tu as peur. Va-t'en. La blessure de Nicolas Claude, la plupart des comédiens qui jouent dans ce film sont évidemment pas des professionnels et quelques-uns d'entre eux sont demandeurs d'asile. Récemment, Adama Doumbia a été interpellé par la police française. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de séjour. Il a pu sortir libre du tribunal. Donc aujourd'hui, la police l'interpelle à nouveau, il devrait être reconduit à la frontière. En tout cas, pour l'instant, il connaît cette situation paradoxale d'avoir été condamné et d'avoir été relâché le même jour. On parle de littérature avec vous, Mine, dans une seconde, mais je voulais qu'on passe
un extrait d'une interview que j'ai réalisée dans la région lyonnaise il y a quelques mois, une interview de Jacques Chauviret, qui est l'auteur du... Enfin, le livre dont on a parlé ici, c'était Le passage des immigrants, ou encore Des passants, publié aux Dilettantes, et Jacques Chauviret est mort. Donc, en termes d'hommage, on a ressorti un petit extrait de l'interview qu'il m'avait accordée à l'époque. Il parle du thème de la souffrance. Jacques Chauviret a été médecin avant d'être romancier, et c'est la mort d'un enfant qu'il avait soigné qui l'a amené à l'écriture. Extrait. Je crois que c'est l'un des médecins de Passage des immigrants qui dit « Est-ce sa faute s'il ne croyait plus en l'homme mais en la souffrance ?» Je pense que c'est ce que j'ai éprouvé, moi. Je pensais que l'homme, bien entendu, était le support de la souffrance, mais que la souffrance était vraiment quelque chose d'indigne, d'insupportable. Et pourtant, vous étiez médecin. Oui. Et c'est pour ça que je pense que j'ai été très influencé par la lecture d'un livre de Camus, qui est le livre « Le mythe de Sisyphe », où j'avais l'impression certains jours que je faisais un métier qui ne servait à rien et que je recommençais le lendemain. D'où le besoin d'écrire ? Besoin, en tous les cas, de le mettre en ordre, comme je vous l'ai dit, et que ce soit fixé par l'écriture. Voilà, Jacques Chauviret, donc, dont l'essentiel de l'œuvre est publié aux Dilettantes. Le magazine littéraire avec vous, Mine, avec un numéro d'avril 2005 consacré à Stendhal, La poursuite du bonheur, et puis un grand entretien dans ce numéro, réalisé par vous-même avec Margaret Atwood, qui est cette auteure canadienne, plus connue paradoxalement en France à l'étranger qu'en France. Mais le premier auteur dont vous voulez nous parler ce soir, publié chez Plon, c'est Tobias Wolff, Portrait de classe. Alors, il y a presque un parallèle avec Chauviret, c'est-à-dire que Chauviret est d'abord médecin et ensuite il se met à écrire. Et Wolff, lui, fait la guerre du Vietnam, et c'est seulement après sa guerre du Vietnam qu'il va se mettre à écrire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le connaît pour des livres de souvenirs et pour des nouvelles, plutôt que pour ses romans, pour la bonne raison que c'est son premier roman ici, où, cela dit, il n'est absolument pas fait mention de la guerre du Vietnam. Portrait de classe, c'est un roman ? C'est son premier roman. C'est un roman, mais cela dit, on peut se demander si c'est un roman de formation, et c'est la façon dont un écrivain apprend à devenir écrivain, un auteur en herbe qui devient un auteur tout court. Et évidemment, on ne peut pas ne pas penser à l'itinéraire de Tobias Wolff lui-même, puisqu'il se trouve que le narrateur a connu une vie extrêmement mouvementée, dont les épisodes rappellent ceux de Tobias Wolff. En fait, il choisit de planter un décor qui rappelle beaucoup le cercle des poètes disparus, donc un pensionnat ultra chic dans la Nouvelle-Angleterre. Et puis un pauvre petit garçon pauvre. Exactement. Mais dans une école qui vise à une éducation humaniste et qui a un code de l'honneur et qui a vocation finalement à penser qu'au sein de l'école, les actes comptent plus que la position sociale. Et c'est l'histoire d'une double quête. C'est une quête identitaire, bien sûr, puisque c'est un roman d'apprentissage, un roman de formation. Il joue beaucoup avec tous les poncifs du roman d'apprentissage, mais pour mieux leur rendre vie. Et c'est aussi une quête littéraire. Parce que ce qui est important dans cette école, c'est qu'elle organise chaque année un concours de nouvelles. Et le gagnant de ce concours de nouvelles a droit à un tête-à-tête avec une grande figure littéraire. Donc c'est Robert Frost, c'est Ayn Rand, et surtout, là, cette année-là, c'est Ernest Hemingway, qui est le héros du narrateur, qui va tout faire pour avoir ce tête-à-tête avec lui. Et paradoxalement, il va aller jusqu'à plagier la nouvelle de quelqu'un d'autre pour obtenir dans une école où on est a priori extrêmement éthique. Bien sûr, par rapport à ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que donc, la quête identitaire est inséparable de la quête littéraire. Et là où ça pourrait être assez abstrait, avec beaucoup de références, beaucoup de lectures, ce qui importe dans Sylvie, je pense, c'est qu'il y a des ponts incessants entre l'expérience personnelle et les expériences de lecture, et que chacune des lectures dont il parle, il lit beaucoup de livres, il va voir beaucoup d'auteurs, nourrissent
à sa vision de la vie et de l'art. Et c'est la façon dont un jugement évolue, dont un goût évolue, dont une pensée évolue. Et c'est tout un bouillon de culture pour savoir comment naît un écrivain et comment, de la vocation, comment une vocation peut se concrétiser. La manière de Tobias Wolff, c'est ceci. Hein. On nous avait enseigné à ne pas confondre l'écrivain et son œuvre, mais je ne parvenais pas à séparer mon image de Nick de mon image d'Hemingway. Et mon intuition me disait que je n'avais pas vraiment à le faire, qu'une certaine confusion entre l'auteur et le personnage était volontairement entretenue. Seulement l'homme qui habitait ces nouvelles n'était pas le génie guerrier au caractère trempé dont l'image avait envoilé mes premières impressions. À maints égards, c'était un homme sans qualité, voire un homme banal, sujet à l'erreur et souffrant de timidité et de peur, ayant peur même de ce qui se passait dans sa tête et qui parfois ne savait pas comment se conduire. Je détestais la façon dont il avait plaqué Marjorie dans la fin de quelque chose. Dire à une fille dont vous avez profité de l'amour que ce n'était plus amusant, je ne le condamnais pas pour cela, en pensant que je m'en serais sorti beaucoup mieux. Tobias Wolff, portrait de classe. Et puis deuxième auteur sur lequel on s'arrête avec vous, et avec qui vous avez longuement parlé pour le magazine littéraire, c'est Margaret Atwood, qui publie chez Robert Laffont Le Dernier Homme, c'est son dernier roman. Et ce qui est important, c'est chez cette auteure canadienne, c'est que le point de départ de ses romans est toujours une situation extrêmement actuelle. Oui, en fait, Margaret Atwood a travaillé sur des romans très différents, aussi bien ça tient parfois de la saga familiale, parfois de la reconstitution historique, parfois du conte, d'autres fois du pamphlet. Mais il y a une veine qu'elle travaille et qui est non pas celle de la science-fiction proprement dite, parce que pour elle, il y a une différence, avec ce qu'elle appelle la fiction spéculative. Donc effectivement, on part de faits réels et ensuite, on construit on extrapole par rapport à ce qui pourrait arriver. La génétique, la pollution. Et effectivement, je vais peut-être commencer plutôt par La Servante écarlate, précisément. Qui est réédité chez Laffont. Et en fait, les deux livres se situent dans la même lignée, sauf que La Servante écarlate est antérieure. Il est paru au départ en 85, et c'est le livre qui l'a propulsé vraiment sur la scène internationale. Quel est le thème de La Servante écarlate? Ça part d'une question très simple, c'est qu'est-ce qui se passerait aux États-Unis, quelle dictature pourrait prendre le pouvoir sur les ruines de l'Amérique démocratique? Et donc elle est partie sur cette question et elle s'est dit finalement ça pourrait pas être une dictature communiste, vu les États-Unis, donc ça serait très certainement pour elle une dictature d'essence religieuse. Donc elle imagine un monde où une dictature théocratique a pris le pouvoir et où toutes les femmes sont privées de leurs droits, elles sont classées en catégories. Et l'une de ces catégories, c'est la servante écarlate, les servantes écarlates en fait. Elles sont chargées, dans un temps de dénatalité galopante, de procréer et uniquement de procréer. Et personne n'a plus le droit de lire, personne n'a plus le droit de s'exprimer. Et en fait, il y a une atmosphère extrêmement orwellienne, façon 1984, dans ce livre. C'est effectivement ce à quoi renvoie l'univers de Atwood, c'est à la fois Huxley et à la fois Orwell. Hein. On est dans l'utopie négative. Dans les deux cas, on est dans l'utopie négative. Et si La Servante écarlate rappelle fortement 1984, Le meilleur des mondes rappellerait plutôt Aldous Huxley. Parce qu'en fait, pour Margaret Atwood, il y a une alternative qui se présente, Le Dernier Homme. Soit on va vers une tyrannie totalitaire, façon Orwell, 1984, et donc dans La Servante écarlate, soit on va vers une société totalement gouvernée par le capitalisme technologique, donc comme c'est le cas. Vous m'étonnez. comme c'est le cas dans Le Dernier Homme. Est-ce qu'on peut lire un extrait du Dernier Homme? Vous avez un extrait à nous lire? Oui, j'ai un extrait. Alors, il faut savoir que le héros du Dernier Homme, qui a survécu à une apocalypse, en fait, qui a anéanti ce monde parfait, qui spéculait beaucoup sur la génétique, qui était entièrement gouverné par l'argent et qui avait totalement instrumentalisé la science à service. Donc, dans ce monde, les arts sont totalement tombés en désuétude. Or, il se trouve que ce survivant, qui fait des flashbacks incessants entre le passé et le présent, autrefois a été dans une école d'art. Et le magazine Mouvement n'existe plus à cette époque. Voilà. Ça, il n'existe plus de magazine Mouvement, et je pense qu'il n'existe plus de magazine littéraire non plus. Jimmy, donc c'est le nom du personnage, s'était mis à passer des heures dans les parties les plus abstruses des rayonnages de la bibliothèque afin d'y glaner un savoir ésotérique. De meilleures bibliothèques, dont des institutions plus argentées, avaient incinéré leurs manuels depuis bien longtemps et conservaient tout sur CD-ROM.
Mais dans ce domaine, comme en tout, Martha Graham, c'est le nom de l'école, était en retard sur son époque. Le nez affublé d'un masque conique pour se protéger des moisissures, Jimmy parcourait les étagères chargées de papier moisi et puisait dedans au petit bonheur. Il était poussé pour partie par l'opiniâtreté, voire par la rancœur. Le système l'avait relégué au rang des rebuts, et ce qu'il étudiait passait, au niveau décisionnaire, niveau du pouvoir réel, pour une perte de temps archaïque. Eh bien, qu'à cela ne tienne, il poursuivrait le superflu comme une fin en soi. Il serait son champion, son défenseur et son sauveur. Qui avait donc affirmé que tout art était inutile? Jimmy ne s'en souvenait plus, mais il méritait un hourra, quel qu'il fût. Plus un ouvrage était tombé en désuétude, plus Jimmy s'empressait de l'ajouter à sa collection secrète. Il dressait également des listes de mots anciens, des mots d'une précision et d'une suggestivité vidés de leur sens dans la société d'aujourd'hui, ou la satiété d'aujourd'hui, comme Jimmy l'écrivait parfois délibérément dans ses dissertations trimestrielles. Orthographe, notaient les profs, ce qui montrait bien leur degré de vigilance. Il mémorisait ces termes vénérables, les lançait mine de rien dans la conversation. Charon, magnétite, saturnien, inflexible. Il éprouvait un sentiment étonnamment tendre à leur égard, comme s'il s'agissait d'enfants abandonnés dans les bois qu'il avait le devoir de sauver. Elle est un peu dure, Margaret Atwood, avec ce monde qu'elle écrit et cette utopie négative, mais quand on regarde la manière dont évolue certains pans de notre société. Oui, mais c'est quelqu'un qui a des préoccupations écologiques extrêmement aiguës. Elle vient d'ailleurs d'une famille de scientifiques au départ. Son père est entomologiste, donc elle est très très au courant de ce qui se passe. Et elle a un frère biologiste aussi. Exactement. Et donc toutes les spéculations autour, par exemple, des dérèglements climatiques, où il y a aussi beaucoup d'animaux avec des mutations génétiques dans le dernier homme, comme par exemple ce qu'elle appelle le porcon. Ça existe vraiment, donc des cochons qui sont des banques d'organes humains. Quoi. Ouais. Il paraît que la peau de porc et la peau d'homme sont extrêmement compatibles. Il y a très peu de rejets, c'est ce que disent les scientifiques en tout cas. Ouais. Margaret Atwood, Tobias Wolff, qu'on vous conseille. On vous conseille également la lecture du magazine littéraire consacré ce mois-ci à Stendhal. Je vous signale que le Matricule des anges, le mensuel de la littérature contemporaine, fait sa une sur Jean Rollin, Globe Writer. Voilà, ça c'est pour avril 2005. Je voulais vous signaler une exposition de groupe, peinture et sculpture, qui s'appelle Leda, sujet mythologique qui, dans l'histoire de l'art, a beaucoup interpellé. Ça se passe à la galerie Trafic. C'est rue Jules Vanzup. C'est à Ivry-sur-Seine. Ça s'appelle Leda. C'est la fin de cette émission. Je vais demander à Louise peut-être de rejoindre le piano en vous remerciant. Et on va se quitter avec vous. Merci mesdames. Je vous rappellerai bien sûr que la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, qu'il y a dans les prisons françaises 58 652 détenus pour seulement 50 762 places. Et bien je vous rappelle que ma consoeur Florence Obna et son guide Hussein Hanoun sont toujours détenus en Irak, que dans les nombreuses initiatives les concernant, on peut noter celle du cinéma MK2 à Paris dans le 13e, où tous les dimanches à 11h est donnée une séance de cinéma et dont les recettes vont au comité de soutien à Florence Obnas et Hussein Hanoun. C'est la fin de cette émission. On se quitte avec vous, Louis, pour Aller. Avec les meus ulls entreveuen la serenor del meu capvespre. Aprenc certesa en la veritat que abans endevinava jo. Jo només tinc un desig d'amor, un poble i una barca. De tants ells que ses llevissen, per tu regals que ni esperava, petxines plenes de vells tresors, dolors que em fan mestratge, que amb avarícia d'infant voràs aplego en l'equipatge. Però només tinc un desig d'amor, un poble i una barca, desig d'amor per no perdre mai el ple d'enamorar-te. Un poble que ens deixi compartir la joia de la vida.
els càlids que en són lleials, que de nit veig en el cel i de dia en tots vosaltres. Merci Louise. Rappel de votre dernier disque, ça s'appelle Poète et on vous retrouve au Trianon dans les jours qui viennent. Merci à tous, bonsoir, bonne nuit. يبسة وحزينة راني هاي ماما.